Nous, on va se retrouver au jardin éphémère. Et toi ? That's a good choice. Hein ? Et après, de toute façon, on se retrouve au jardin rouge à 17h45. Brillant soleil avec ce. Voilà. Violoncelle, Cyril Poulet. Et on finit avec William Christie sur sa terrasse. À 18h45. On est vendéen, donc on en entend parler depuis le début. Et puis nous sommes tous des fans de William Christie et des arts florissants et de la musique baroque. Et voilà. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler des arts florissants, mais on n'a jamais pu venir. Pourtant, on habite près des Sables d'Olonne. Et cette année, on s'est arrangé pour avoir des places dès le premier jour. De me trouver avec mes collègues, avec un public d'ici, c'est-à-dire du village, des alentours, des amis qui viennent de tous les coins de la planète. Évidemment, le mot, je crois, est convivialité convient parfaitement bien. C'est un moment où je reçois chez moi, c'est un moment où je peux partager ce que j'aime, ce que j'ai pu créer ici depuis une vingtaine d'années. Oui. Ça constitue peut-être une sorte d'aboutissement, une confirmation. Un moment peut-être parmi les plus importants de notre année musicale. Many women's panic and a thyrsis. The alarm is rung, the women all obey. This is now my fifth year at William Christie's festival, and I love it. He changes it every year, so I'm always surprised, but the spirit of the place always stays the same. Oh, it's magical. It never gets any less magical. Something about the light and the shade and the music and the wind and the birds. It's a real amazing experience. Ça me donne énormément de plaisir d'avoir la possibilité, la chance vraiment de partager un peu en intimité. Je trouve que pour avoir une façon mieux d'écouter la musique, il faut aussi savoir faire la musique avec d'autres personnes. Il y a une très grande proximité, oui, une très grande détente aussi, dans l'atmosphère générale. C'est une des qualités du festival. Qu'on se sent effectivement en prise réelle avec la musique. On est vraiment dans un partage. On reçoit la voix de façon différente, en plus l'acoustique est en fonction de l'endroit où on est, elle n'est pas toujours pareille. Puis il y a surtout un côté informel. I have a seal of fear that when I swan my last thread, I shall perish on the shore. But swear by thyself that art my death, thy soul.